Alors, j'ai pas grandi, moi, dans un milieu croyant. Mes parents n'étaient pas croyants. Je suis pas allée au catéchisme. Je n'avais pas mis les pieds dans un temple avant mes 28 ans. Et quand ma deuxième fille est née, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que j'allais lui transmettre, dans quelle histoire j'allais l'inscrire. Et l'été 98, des sans-papiers que j'accompagnais dans le cadre d'un collectif militant ont eu la drôle d'idée d'occuper un temple protestant. Et là, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre de la part des protestants qui étaient là, ce que j'ai pu entendre du pasteur qui faisait les prédications dimanche matin, m'ont vraiment frappé. Alors j'ai commencé à rencontrer des protestants, à lire le Nouveau Testament, et je me suis dit, ah oui, là, il y a vraiment quelque chose qui me semble important pour ma vie. Dans mon travail de journaliste, ce que j'aimais, c'était rencontrer les gens et puis apprendre des choses. Mais ce qui me frustrait, c'est que à peine je connaissais les gens, ben, il fallait les quitter. Et c'était frustrant. Les pasteurs que je croisais, je les voyais accompagner les gens sur le long terme. Et donc, ben, d'un fil en aiguille, je me suis dit, mais est-ce que ce qui te plaît dans le journalisme, peut-être que tu vas réussir à plus le réaliser dans le travail de pasteur. Et en juillet 2006, eh bien, je suis devenu pasteur dans ce lieu qui s'appelle la Maison Verte. Donc là aussi, paroisse et maison de quartier. Quand on rencontre des gens qui sont vraiment en difficulté, quand des gens ont vécu des choses difficiles dans leur vie ou voient les violences du monde, certains peuvent se dire, mais... Où est Dieu? Si ton Dieu, il existe, pourquoi il laisse faire ça? Les réalités violentes du monde, pour moi, c'est évident qu'elles sont le résultat des hommes qui ont construit la société d'une certaine façon. Voilà, de certains rapports de pouvoir, d'un certain système économique injuste, de la domination des hommes sur les femmes, voilà, de choses comme ça. Et donc, de ce fait, Dieu, je ne le vois pas, je ne me dis pas, mais c'est lui qui décide de ça. Je pense que Dieu aime suffisamment son humanité pour la laisser libre, pour la rendre responsable. Et je pense que si Dieu devait décider de tout, s'il était derrière tous nos bonheurs ou tous nos malheurs, on ne serait pas des humains, on serait des marionnettes manipulées par Dieu. Et face à ces malheurs-là, moi, Dieu, au contraire, je le vois comme celui qui est à nos côtés, qui nous soutient pour pouvoir essayer de faire reculer les injustices. Et c'est celui, on parlait de surprise, c'est celui qui ouvre en permanence des chemins. Moi, dans le protestantisme, c'est vrai que, d'une certaine manière, j'ai été aussi rapidement déçu, mais je suis pas partie en courant. Je suis rentrée dans une église qui accueillait, en l'occurrence, qui accueillait des sans-papiers. Et ça, c'est quelque chose qui ne me déçoit pas. Par contre, assez rapidement, dans l'église, je suis rencontrée la situation où des gens qui étaient homosexuels ne trouvaient pas leur place. En l'occurrence, la première rencontre, c'était un étudiant en théologie qui voulait devenir pasteur. Il rencontre la commission des ministères et on lui dit... Ah, ben non, vous venez de nous dire que vous étiez en couple avec un homme, on ne peut pas vous accepter comme pasteur. Et donc là, ça m'a déçu, inquiété, parce que justement, cette promesse d'accueil, elle n'était pas poussée jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent une plus grande difficulté à saisir les enjeux contemporains, à avoir cette prise de risque dans l'ouverture. Aux minorités, aux gens qui ont un mode de vie différent. Et là, je pense que si le protestantisme continue dans cette timidité, il aura du mal à continuer à être le protestantisme. Un des mots importants du protestantisme, une des devises, c'est Semper Reformanda, se réformer sans cesse. Et j'ai l'impression que le protestantisme a de plus en plus de mal à être dans cette réforme sans cesse. Bon voilà, il y a un effort à faire dans le protestantisme pour s'ouvrir sur ce qu'est la diversité de la société aujourd'hui. Revolving doors, what have I done for someone?